Perpignan souffle un peu. Il reste 6 journées. Alors, ça se décante un petit peu dans la course au maintien. Mais la lutte pour le top 6 et donc pour le titre a rarement été aussi ouverte. Ils sont 9, voire 10 à toujours prétendre à une place en phase finale. Parmi eux, un surprenant Grenoble, bien installé justement dans ce top 6 aux trois quarts de la saison. Grenoble qui recevait la lanterne rouge, Biarritz, aujourd'hui, convaincant déjà l'an dernier. Grenoble semble être monté d'un cran. Et une nouvelle victoire aujourd'hui, Yann Chabonnat validerait clairement les nouvelles ambitions du club. Oui, Isabelle, Grenoble veut encore croire à sa bonne étoile avec 4 victoires lors des 5 derniers matchs. C'est l'équipe en forme de ce début d'année 2014. Grenoble était donc impatient d'affronter et de croquer si possible la lanterne rouge. Tout est allé très vite en début de rencontre. On joue depuis à peine 5 minutes et Grenoble déjà prend l'initiative dans le jeu. Une première faute, Biarrot, elle est signée Bourotou. Et ici va offrir l'occasion aux Grenoblois d'ouvrir la marque en l'absence de Valentin Courant. C'est James Hart qui officie à la mêlée et dans le rôle de buteur, il ne se manque pas et ouvre la marque pour Grenoble qui mène 3-0 après 5 minutes. Bonne entame de jeu donc de la part des Isérois qui vont initier cette relance des 22 mètres. Van der Glas qui transmet à Jonathan Best. On s'est beaucoup passé le ballon, parfois avec réussite, parfois avec un petit peu moins. Cette fois ça a marché puisque Benjamin Thierry a récupéré ce coup de pied contré. Il va retrouver également Van der Glas lancé comme un obus. Ici il échappe au dernier défenseur à Nguenia pour aller aplatir le premier essai de la rencontre. Superbe mouvement de plus de 60 mètres de cette équipe grenobloise qui en se début de match eh bien, a donné le tournis à toute la défense de cette équipe de Biarritz. Benjamin Thierry avec un peu de réussite, la lucidité au moment de transmettre et puis la classe également de Van der Glas qui va d'un crochet effacer Nguenia pour aller aplatir derrière la ligne d'en but. Un essai transformé qui permet à Grenoble de mener 10-0 après 8 minutes. On se dit que ça va être très compliqué pour Biarritz, mais Biarritz ne craque pas, bien au contraire à l'image de Yann Lesbourg. Ils sont enhardis, ils sont pleins de courage et pleins de culot. Les joueurs basques, Bourotou va tenter de prolonger cette action. Là aussi, hein, on est parti des 22 mètres, on sera stoppé aux 22 mètres adverses, mais Yann Lesgour nous a régalé. Cadrage débordement tout d'abord ici sur Kimin, après il s'immisce entre des défenseurs avant de servir à l'intérieur Bourotou. Cette action, je vous l'ai dit, ne donnera rien. À la main, ça ne passe pas, mais au pied, ça va beaucoup mieux puisqu'ici, Petersen, en l'absence de Yashvili laissé au repos, eh bien réussit 2 pénalités avant la pause. 10-6 pour Grenoble, le temps de recharger les fusils parce qu'on va retrouver de nouveau les artilleurs Biarro à l'initiative. Après Petersen, c'est Wenga ici eh bien, qui va ajouter 3 nouveaux points et permettre à cette équipe Biarrot eh bien, de remonter à un petit point seulement. Fabrice Landreau évidemment est inquiet, il n'est pas habitué à voir cette équipe souffrir face à un adversaire ici à l'Ediguerre. On retrouve Alet Brou qui magnifiquement efface les défenseurs. Il va être repris à quelques centimètres de la ligne mais peut-être aplatir. Eh bien non, Monsieur Péchambert ne sollicitera même pas l'arbitrage vidéo parce qu'on va le voir et Monsieur Péchambert était très très bien placé. Alet Brou ici ne va pas pouvoir aplatir, il n'y aura pas de pression verticale du ballon sur le sol. Partie remise seulement pour cette équipe Biarrot qui vraiment a donné du fil à retordre à cette équipe grenobloise en mêlée notamment. L'introduction ici est pour Grenoble mais l'effort il est Biarrot, l'effort il est de cette équipe basque qui va tout donner, qui va tenter d'aller au maximum dans cette avancée et finalement eh bien, aller récompenser cette équipe Biarrot par cet essai de pénalité accordé par Monsieur Péchambert. Tout va beaucoup mieux pour cette équipe alors de Biarritz qui mène 19-13 après la transformation. On joue depuis 76 minutes, il reste très peu de temps donc à Grenoble pour tenter de faire basculer encore une fois la rencontre et finalement Fabien Alexandre ici inscrit au nez et à la barbe de la défense, l'essai de la victoire peut-être pour Grenoble parce que derrière eh bien, cette équipe grenobloise va reprendre l'avantage. Il faut tout d'abord que James Hart réussisse la transformation et c'est fait, le match bascule alors une nouvelle fois et va peut-être encore basculer parce que sur cette dernière action, sur cette dernière remise en jeu, Grenoble va se mettre à la faute, faute incompréhensible de la part du numéro 12 Nigel Hunt. En cas de récupération de cette balle, c'était pratiquement la fin du match. Mais Nigel Hunt, vous le voyez ici à droite, empêche Molcar de monter en défense. Pénalité donc accordée à Monsieur Péchambert. Et ici, Dan Wenga, eh bien, à la balle de match. C'est une victoire que le demi d'ouverture et le buteur Biarro a au bout du pied. L'Ediguerre alors retient son souffle. Et cette pénalité, elle passe, énorme exploit de Biarritz qui l'emporte donc 22-20, quatrième victoire de la saison seulement pour le club basque, mais la deuxième à l'extérieur pour des Biarros décomplexés et enfin récompensés de leurs efforts. Serge Blanco dans le vestiaire a tenu évidemment à féliciter tous ses joueurs, il pense déjà au derby basque. La fierté a fait que les garçons ont montré qu'ils aimaient ce maillot, même si on se dirige vers une route qu'on ne désire pas, mais bon. Après, on va préparer notre petit derby et on va se faire un point d'honneur, bien sûr, au moins d'essayer de le gagner, de démontrer que
notre place, si elle doit être dans une autre division, eh bien, qu'au moins les gens nous regrettent et nous félicitent par rapport à ce qu'on fera sur cette fin de saison. Une belle performance pour Biarritz. Le derby, il en parlait, ce sera dimanche prochain sur Canal Plus Sport à 15h. On va évidemment revenir sur les Grenoblois. Un coup d'arrêt pour Grenoble, Yann Chabenat. Est-ce qu'on s'en inquiétait déjà dans les couloirs de Lesdiguières ? Ah, cette défaite, finalement, elle n'a pas surpris tant que cela les joueurs, ni Fabrice Landreau. Il y a eu de gros efforts de Fournier pour battre Clermont. Il y a eu de gros efforts également pour venir à bout de Toulon et de Perpignan. Depuis, cette équipe de Grenoble semble un petit peu dans le dur, un petit peu fatiguée. Alors, on ne s'est pas caché derrière cette excuse, mais regardez les joueurs, évidemment, tristes et plein de questions. Pourquoi la Lanterne Rouge a réussi aujourd'hui à faire balbutier cette équipe grenobloise que l'on n'a pas retrouvée à son meilleur niveau? La course au barrage n'est pas perdue, mais il y a un petit coup d'arrêt, c'est sûr, pour Fabrice Landreau. Il n'y a pas de remise en question. La remise en question, elle n'y est pas. Aujourd'hui, on s'est mis à l'abri au niveau du classement. Mais c'est vrai que le fait de jouer, d'essayer d'être dans les six, de suivre le peloton des gros calibres, c'était très excitant. Et c'est quelque chose, on s'est donné les moyens d'y arriver. C'est dommage que ce soir, on gâche des munitions comme ça, stupidement. C'est surtout ça. Moi, après, j'ai pas de colère. Moi, je joue pas. Je suis pas sur le terrain. Moi, j'essaie d'insuffler, de dire, voilà, il y a une part de rêve qu'il faut aller chercher.